Salut les viewers, c'est Marcus Panus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Starbound 1.0. Donc, nous allons reprendre l'aventure. Vous pouvez voir qu'on a encore une quête à faire normalement. Donc, de Flora l'artefact qui sont normalement censés être enterrés donc, dans les cavernes de chasse cérémonielle, on va dire, on va appeler ça comme ça. Donc bon, on a du boulot quoi qu'il arrive. Cependant, nous avions eu une nouvelle armure dans le précédent épisode. On va pouvoir régler tout ça, voilà. Hop. Est-ce qu'il n'y a pas moyen justement d'avoir d'autres choses au passage? On a ceci qu'il faudrait que je trouve aussi. Titanium bar, copper bar. Donc, radiation. Ce qui veut dire que normalement on est censé pouvoir aller dans les planètes de type radiation, non? Ou pas loin. Titanium, tungstène. C'est du titanium qu'il faut pour les... Attendez. Titanium et copper. Bah écoutez, on peut peut-être l'avoir. D'ailleurs, est-ce qu'on ne l'a pas déjà? Breathing EPP. Donc non, celui-là, c'est le breathing tout simple. Ok. Du coup, là, ouais, niveau titane, on est un peu dans les choux. On va aller en récupérer un petit peu sur la planète sur laquelle nous sommes. On va faire le breathing EPP. Et on va aller tout simplement sur une autre planète. Ah bah tiens, regardez. C'est un avian, de toute façon c'est dommage, c'est un avian habillé comme ça. Mais on va quand même faire sa quête, on va bien voir. Si ça nous permettra de savoir si oui ou non. West, d'accord, je suis en train de chercher. Si oui ou non, oh mince, je l'ai loupé. Si oui ou non, simplement, on peut les recruter, ces mobs de... Il y a un oiseau dans l'eau. Ah non, c'est un poisson. Pff, ça va plus, moi. What? Ok, ça fait du monde, hein. Ça fait un petit peu de monde, pour le coup. Allez, un peu plus de régène. Allez, je recharge. Oh merde. Ah mais il se défend pas en fait. Lui non plus tu me diras. Oh merde. Voilà. Est-ce qu'on les aurait eu? Apparemment oui. Bon. Apparemment oui. Bon bah voilà. Et donc vous voyez il me dit pas s'il veut rejoindre. Donc c'est pour ça c'est ce que je veux savoir si oui ou non. Tech card, d'accord. Si oui ou non, ça leur donne envie de nous rejoindre ou pas. Ah, ces personnages sont toutes assez particuliers, puisqu'ils sont en fait déjà générés. Enfin, pas comme dans des villages, en fait, voilà, ça plutôt que je devrais dire. Ils sont différents des personnages de village, et du coup, je ne peux pas, à mon avis, les recruter. Ah ben non, ça va vite, là, avec cette nouvelle amélioration. Regardez ça. C'est presque rentable de toutes les prendre. Par contre, comment qu'on va remonter, ça va être une autre histoire, ça. Ah oui, c'est presque rentable, hein, pour le coup. Il faudrait presque que je suis en admin, mais non, parce que sinon j'aurais pas pris des dégâts. Ah, c'est vrai, j'ai pas pensé à... Merde. J'ai pas pensé à comment... Aïe. À remettre la bonne tech. Ah, c'est une catastrophe. Hop, dégage. Hop, dégage. Là, il y a un petit peu de titane, donc on va le récupérer du coup. Hop. Rien d'autre par là. Ça remonte, ça remonte, ça remonte, ça remonte. Hop. Allons voir. Hein. Non. Ah, c'était de la slush, d'accord. Hop. Ah, ça tombe comme ça veut, en fait. Hein. Hop. Mais bon, on a clairement fait un bon investissement en faisant cette amélioration. J'en suis ravi. Oula.
Ah oui, forcément. Eh, vas-y, sors. Boum, ça prendra. Hop, voilà. Oh, mais merde, Crudy. Mais tu vas me lâcher? Bon, bah, écoute. Désolé pour toi, alors. Hein. Là, je l'ai pas vu venir, le coup du suicide, sur elle. Aïe. On n'est pas bon. En tout cas, je suis pas bon. Vous êtes magnifiques. Vous êtes géniaux, mais moi, je ne suis pas bon. Hop, boum. Hop, boum. C'est de la clé? C'est de la clé. Et vous voyez qu'elle est un peu plus dure à casser. Oh. Ah oui, il faut que je fasse aussi le machin d'excavation. On va récupérer un peu plus de... Oula, oui. Un peu plus de comment de... Oui, je le casse exprès, vous inquiétez pas. Hein. De comment de... Oh. Ok. De comment de titane. Normalement, c'est du titane, il me semble qu'il faut. Mais de toute façon, on n'a pas la place vraiment dans le... Aïe. Oh, t'es sérieux, là? Bon, bah, je me casse. Je me casse. Hop, voilà. Hop. Je suis sûr qu'avec le comment le niveau supérieur de la taille, on peut en fait descendre comme ça tranquillement sans le moindre problème. Ce qui serait encore mieux, quoi, forcément. Puisque nous sommes quelqu'un de difficile. Hop. Un petit peu de charbon. D'argent, pas beaucoup de titane, cela dit. Hein. Alors, d'accord, rien en dessous, peut-être quelque chose au-dessus. Ah, ah ah, je t'ai grillé. Je excusez-moi, je suis encore un petit peu enroué. Il est tôt le matin, ma voix ne s'est pas encore réveillée, moi si. Hop, voilà. Crac. Oh, génial. Il nous en fait deux. Je ne sais plus combien il nous en faut de toute façon pour le... Un power generator, si on devait vraiment l'améliorer, on mettrait sur le 32. Sinon, on peut en avoir tout simplement 3 pour la peinture et 3 autres pour le wire mode. D'accord. Ok. Oula, alors ça, ça va faire mal. Oh, putain. Eh, j'avais oublié que j'avais ce truc-là aussi pour remonter, donc pas besoin de s'embêter. Alors... Nous y sommes. Alors, j'ai remarqué que l'autre fossile brillait. Est-ce que ça veut dire qu'il était de meilleure, entre guillemets, qualité, de meilleure préservation du temps que celui-ci? Sans doute. Sans doute, sans doute. Peut-être en dessous, là, quelque chose? Non? Bon, tant pis. Un petit peu de titan... Ah, il y en a là, un petit... Oh, ça fait longtemps qu'on vous avait pas vu, vous. Ah, c'est sympa, ça faisait vraiment longtemps qu'on n'avait pas vu cela du coup. C'est pas du titane, non, c'est de l'argent. D'accord. Ah oui, alors c'est vrai, faut qu'on. Avec ce machin là, dès que je le mets, je tombe. Ok, on remonte. Hop. Ok, du sable, ce qui n'est pas encourageant. Ça peut très bien tomber sur la tronche. Hop. Deux tirs suffisent. Je me rappelais pas de ça. Mais bon, pourquoi pas. Hop. Toujours un petit peu de fibre. Vous avez vu que pour un drapeau, c'est capital. Hein. Voilà pourquoi je disais que le sable, c'est pas une bonne nouvelle. Ah, un petit peu de titane supplémentaire. Ça, c'est bon. Bon, là, c'est surtout du copper. On est déjà remonté ? Excellent. Mais je le vois pas, il est là. On est déjà remonté donc. Ok. Aïe. Voilà. Ça marche bien quand même hein. Ça marche très très bien cette spike. Bon, je regrette presque la disparition de la du blink. C'est quoi? C'est de la glace, c'est de la slush. Je vais virer, je vais virer, je vais virer, ré, ré. Je vais virer les 10 là. Voilà. Smooth ice, d'accord. Pas de coffre à droite.
Donc c'est bon, on peut y aller. Oui, parce qu'on pourrait toujours tomber sur un coffre de glace hein, là-dedans, je pense. Hein. Ah, une alarme. Ah, on est déjà sous la prison. Ce qui veut dire qu'on va plus pouvoir creuser à un moment. Si ? Ah bon, bon. Bah écoute, je me barre alors. Hop, j'aimerais bien remonter sur mon vaisseau. Merci. Je sais pas combien on a de titane sur nous par contre. On a peut-être dû vérifier avant. Mais bon, en soi c'est pas gravissime. Je vais juste aller remettre un petit peu de tout ce bordel. N'inquiétez pas, je retrierai ça. Alors vous m'avez dit que c'était en bas à droite, qu'il y avait un bouton pour trier dans les coffres. Non. Non, il y en a pas. Je me suis dit peut-être qu'il était invisible, vous savez qu'il était grisé par le... Par le simple fait qu'il soit... Ben, tout simplement pas surligné par la souris. Mais apparemment non, ce n'est pas le cas. Ok, bon on y va. La suite. Nous avons besoin de faire fondre ce titane. Crac. Voilà, ce qui nous en fait combien? 16, c'est parfait. C'est parfait, c'est parfait, c'est parfait. On va faire le... L'argent aussi, il me semble qu'il fallait de l'argent avec, donc... Durasteel bar, avec du Durasteel or, forcément, oui. Dit comme ça, ça me semble logique. C'est du copper, dommage. De toute façon, on en a aussi, normalement, voilà. Hop. On peut donc faire le truc anti-radiation. Ce qui nous sauvera, littéralement, la peau. Hop. Par contre, du coup, j'ai perdu, j'imagine, mon... Voilà, mon augmentation. Dommage. Dommage, dommage, mais bon, sur le principe, c'est pas grave. Fuel tank, capacité... Encore ? T'es monté à combien ? 1400 ? C'est ça. GG. Écoute, j'apprécie beaucoup ton aide, c'est très utile. Du verre, ouais, d'accord. Est-ce qu'on a autre chose, du coup ? Parce que si c'est du Durasteel, on en a pas encore. Le silicone board, on en a trouvé un tout petit peu. Ici, on a besoin d'une amélioration. Durasteel, pareil aussi. Foraging. Alors, Fossil Station. Ça, c'est quoi? D'accord, donc ça, j'en ai pas encore fait. Ça, faudrait que j'en fasse. Un petit bottle. Timber. Le problème, c'est que j'ai pas énormément de place. Faudrait que j'en fasse ici. Hop. Donc, oui. Kitchen counter. Ça serait bien aussi d'en avoir un pour faire plus de bouffe. Différentes. Le problème c'est que ça prend de la place. La raffinerie pour l'instant ce n'est pas extrêmement intéressant. On en a juste 3. L'apothicaire qui pourrait nous aider à survivre en faisant les potions. Kitchen qui permettrait de mieux gérer notre bouffe. Et Fossil Station qui permettrait de trouver d'autres trucs nouveaux en fait simplement. Mais bon. Je pense qu'il faudrait mieux commencer par l'apothicaire. J'ai pas de sable apparemment sur moi. Oui j'ai rangé, je suis con. Je suis con. Hop, voilà. Hop, un petit peu de verre. Je sais pas comment on peut en faire. Deux verres fait un truc, d'accord. Donc il m'en faudra encore 8, s'il te plaît. Hop. Ça nous en fera 10 au total. Soit 5 bouteilles vides. Ce qui va être très pratique. En tout cas, je l'espère. Voilà. J'espère que ce sera vraiment aussi pratique que ce que je pense que ça va être. Ce qu'il dit comme ça fait très bizarre. Apothicaire, une fois, oui, 25. D'accord, il faut encore un petit peu de bois, voilà. Je vais même en refaire un de plus pour qu'on garde le truc de craft. Bon, ça c'est mon petit tic à la con. Est-ce qu'on fait la Fossil Station? Est-ce que ça prendra pas trop de place? Il faut 5 dirt. Je sais pas si ce sera vraiment utile pour le moment. Est-ce que ça a un intérêt quelconque en fait? Avant qu'on ne... Hop. Ouais. Je m'attendais à 1000 fois mieux. Soyons honnêtes. Woven fabric, oui, ça me dérange pas, mais... Enfin, sur le principe, ça me dérange pas, mais... Enfin... Hop. Là, je peux en faire combien, juste pour simple question? 55.
Ça va encore me coûter cher cette histoire, sinon, hein, moi. Il est au chakra, on l'a au fait. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Blue Painting aussi, on l'a. Titanium Dagger, Titanium Spare. 20 dégâts toutes les 1 seconde. Une seconde. Ce qui fait 42 dégâts, quoi. Plus de 42 dégâts par seconde. Bah non, même pas. Si, elle attaque une fois et demie, une fois à 1,1 par seconde. Là, ça attaque moins d'une fois par seconde. Ce qui veut dire que. Ah, il suffit de faire le calcul, Marcus, mais t'es mauvais, c'est tout. T'es juste mauvais. C'est trop... Il est trop tôt le matin. Il est trop tôt le matin. Hop, attendez, je vais vous le dire. On va le faire comme ça. Hop. 27 x 0,9. 8, pardon, c'est ça. 27,8 fois. Mais merde. 27,8 x 0,9 x 2. Toutes les 2 secondes, on fait 52 dégâts. L'autre. Merde. 20 x 1,1 x 2. Donc elle fait quand même plus de dégâts. Bon, tant pis. Tant pis. Le jeu ne veut pas de moi. Tant pis. Ok. Nous sommes donc prêts pour les planètes de type radioactif, pardon. Ce qui est en soi une bonne nouvelle, normalement, vu qu'on pourra trouver de meilleurs équipements sur place. Donc on y va. On va sur une planète de type radioactif. Tant bien, on en a une juste au bout. Juste à côté, même. Donc là, c'est pas le genre de planète qui m'intéresse. Là, c'est une simple lune. Là non plus. Je ne trouve rien de ce qui pourrait m'intéresser. Ah, là, c'est déjà beaucoup plus intéressant. Cependant, d'accord. Ok, bon, on va sur celle-là, alors, hein. On s'embête pas, on va sur celle-là. Hop. Bon, j'ai pas ma batterie, crac. Et donc on va espérer. Alors vous m'avez dit qu'on pouvait trouver plus d'humains sur les planètes. Vous trouvez des humains sur les planètes de type radioactive. Enfin dans les systèmes radioactifs. Je l'espère. Ce serait sympa d'avoir un nouveau membre de crew. Il nous faudrait donc aussi, bah écoutez, un glitch. Non, glitch on l'a. Il nous faudrait. Bon, on n'est pas censé avoir un avian aussi. Bon non, bah alors il nous faudra trouver un avian en plus. Il nous faudra trouver un avian, même si je crois qu'on a un drapeau qui nous y mène directement, hein. De mémoire. De mémoire. Il est clair que la bouffe que je dont je me nourris actuellement n'est pas la bonne, hein. Mais bon, c'est encore une autre histoire. Ah, il me saoule à me coller aux fesses comme ça. Donc j'ai un mécanicien, il me semblait quelque chose qui réduisait la consommation carrément. Mais bon, je l'ai pas encore. Avian et autres crew. On va regarder quand même vite fait. Qu'est-ce que... Ah oui non, j'avais pas... Oui d'accord. Oui non. Je pense que j'avais pas... Je l'avais supprimé le téléporteur, il me semble, de mémoire. Donc ça me l'a resupprimé. Bon, bah on descend. C'est... Oui, c'est bien ce qui me semblait, c'est agressif. Hop, c'est agressif. Ah, le petit coup du... Non, je vais m'arrêter avant de te frapper. Alors, je sais même pas si c'est dû à un lag ou si c'est bien son attaque qui fait ça. Apparemment, ce n'est pas un lag. Hop, ici. Ouh, plein de choses intéressantes. Peut-être temps qu'on prenne le mode de peinture et le mode de wiring aussi. Hop. Alors, qu'avons-nous là-haut? Un Floran. Bonjour. Qui vend une armure d'humain. Vous voyez pourquoi je n'aime pas les Floran. 45, et celle-ci fait 45 aussi. Non, c'était pas une armure d'humain. Alors, peut-être une armure de, comment, d'Epex. Hop. Allons-y, la suite. Hop, on l'a eu. Ah, c'est donc un agressif. Bon à savoir. Bon, ils sont tous agressifs, j'ai l'impression, de toute façon, sur la planète. Hein, donc. Hop. Viens, je t'attends. Viens, je t'emmène. Allez, viens. Hop,
C'est bon. Hop, toi aussi t'es mort. Ok, bon. Ils font mal. Ils font extrêmement mal. En soi, c'est pas extrêmement grave, mais il va falloir qu'on règle ce problème de dégâts qu'on se prend dans le nez à chaque fois qu'on le trouve sur une planète, parce que sinon... Hop, on risque d'en crever à un moment ou à un autre. Oh la vache, il a réussi à passer dedans. Encore les spectres, je veux bien, mais... Hop, gros steak. Ok, bon bah rien d'intéressant finalement. Aïe. Rien du tout, bon. Oh. Mais tu vas me lâcher la grappe, oui. Ah bah écoute, bonjour. Joli ces trucs là. Il vend du bacon. Ah mais merde. Qu'est-ce que... On peut même pas faire ses courses tranquillement. Ça fait vachement mal en plus. Mais non, mais t'attaques pas au... Ah merde. Qu'il est con. Hop. Je vais juste prendre un petit peu de bacon. J'ai dit un petit peu. Je vais t'en prendre une vingtaine. Bah non, je vais les perdre en route de toute façon. Non, c'est pas la peine. Là, c'est vraiment dangereux comme planète, hein, dis donc. Donc, on est dans un. Il y a un donjon à Vian en dessous, ce qui veut dire que ça va pas être intéressant pour nous. Vu qu'on pourra pas les recruter. Ce qui m'inquiète plus, cela dit, c'est. Le fait qu'il n'y ait pas le moindre Avian dans le coin. Ok! Tant mieux. On a du bol. On a beaucoup de chance, là, pour le coup. C'est pas quelque chose qu'on tombe habituellement, normalement. Du coton, ça c'est bon. Et on retombe sur un biome de type classique, hein, si je puis dire. De type garden, si je crois le nom. Si je me trompe pas dans le nom. Hop. Je suis un peu chié, hein. Il est solide celui-là. Hop, c'est bon. Ouh. Celui-là, il fait mal d'ailleurs. Voilà, il me saoule en plus, eh. Lâche-moi. Lâche-moi. Voilà, merci. Bon. Il est compliqué en plus. Aïe. Oh bah, c'est pas ce que je voulais faire, mais eh. J'ai pas envie de ressortir du coup. Oh mais non. Oh mais merde. Oh, oh, ça fait mal. Ok, bon là on a de la route, hein. Donc c'est débile. J'ai perdu quoi? Ah bah tout ce qui était intéressant sur mon inventaire, quoi. Même mes soins. Ce que je trouve complètement stupide d'ailleurs, hein, c'est... On m'avait parlé d'un bâton de soins, bah de toute façon je crois qu'on l'avait vu dans un des postes. Il va falloir absolument qu'on le trouve, hein. Qu'on puisse se soigner. Même si on n'a pas de bouffe sur nous. Ah puis t'en as, toi, normalement. Non? Non. Putain, cette planète est d'une agressivité, c'est incroyable. Ok, on retente notre chance. Non, ça faisait longtemps que ça nous était pas arrivé, pardon. Je vais arriver à parler. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Donc vous voyez, c'est ce que j'expliquais, on est allé sur une nouvelle planète, et finalement... Mais non, mais non, mais non, mais non. Et on a vu ma balle rebondir sur le sol. Mon argent qui part en fumée, quoi. Littéralement. Pourtant j'ai eu le bon réflexe, tout ça, mais non. Le jeu ne veut pas. Le jeu n'a pas voulu. Pourtant là, ça le fait bien, hein, le petit coup de limite aimanté sur le sol. Hop, mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça, bon. Vous avez senti la peur dans mon silence quand j'ai vu le truc sauter? Hop, on va le faire comme ça, c'est pas grave. Hop. Seulement j'avais des potions de vitesse. Hop, raté. Ah si, il m'a touché une fois, donc c'est... Pour lui, c'est tout bénef, hein.
finalement. Bon. Hop, allons-y. Ok. Voilà, je suis mort il y a 10 secondes. Enfin, il y a une minute. Hop. Plus qu'à aller chercher l'autre endroit. Hop. Je crois que j'ai trouvé du Durastil or. Casse-toi. Casse-toi, tu me saoules. Merci. Hop. Je crois que j'ai refermé les portes derrière moi en plus comme un abruti. Non, ça va, finalement ça va. Mais tout mon bordel quoi que j'avais sur moi, je l'ai perdu. Oh là là. Allez. Je te déteste. Je te déteste. Lui il a qu'un œil mais il est gentil, tu vois ce que je veux dire. Toi t'es mignon mais t'es une vraie saloperie. Hop. Oui, je commence à me lâcher vis-à-vis des monstres. Et alors? Hop, on y va doucement. Des mails en plus. Je sais pas si Free Jam va me répondre. Ça y est. Hop. Ah bon, on a tout récupéré. Hop. Bon, on verra bien. Hop. Ok, on a réussi à remonter. Bon, c'est déjà ça. Faut espérer qu'avec ce qu'on va trouver, on va réussir à améliorer. Mais ouais, non, on va pas réussir à l'améliorer tout de suite. Hein. Peut-être une erreur d'être venu ici trop tôt. Si tôt ou trop tôt, vous dites comme vous voulez. Parce qu'en fait, ça va peut-être être plus compliqué que prévu de ramener tout le bordel qu'il faut pour améliorer la station de craft. D'armes et d'armure. Et donc du coup on risque d'avoir une armure un petit peu low level pour cet endroit. Par contre on pourrait trouver de l'armement, ça serait cool. Ce serait vraiment cool de trouver de l'armement en fait. Non, je ne veux pas taper le machin avec un œil. Alors du coup il m'a mis ça en soin, ce qui n'est clairement pas rentable pour moi. Hop, ici, voilà. Ah, on a quand même 27 rouleaux de PQ hein. Peut-être pas si mal hein. Hop. Ah. Une ville à Vienne. Une ville à Vienne, on peut-être trouver quelqu'un de stylé alors. Est-ce que j'ai encore un drapeau sur moi? Ça pourrait être sympa. Oui, j'en ai deux. Ville à Vienne. Hop. Un peu de bol. Ils vont accepter que j'en recrute quelques-uns. Une pomme. Alors normalement j'ai tout vu, tout entendu dans les villes à Vianne hein, maintenant. Maintenant c'est sur le principe, hein. Je me trompe peut-être. Hop. J'ai pris le bouquin, c'est pas ce que je voulais faire. Mais bon, pourquoi pas. Ah j'aurais bien un petit rouge comme ça là. C'était cool. Non c'est pas moi qui ai tout cassé, c'est faux. C'est le mec qui est sorti là, le noir. Dit comme ça c'est terrible mais c'est le mec qui est sorti et qui est de noir et blanc, voilà. Comme ça c'est pas raciste si je dis qu'il est des deux couleurs. Normalement. Hop, hop. Parfait. Leur espèce de temple, ouais. Finalement, on va retrouver personne. On va avoir trouvé personne du coup là, c'est pas bon. Oulala. Là là. C'est quoi ce temps? Je rêve où il a sauté cet homme. Bah, c'est un des machins sacrificiels, j'imagine. Oui, voilà, tout à fait. Ils se font passer pour des gardes, oui, pourquoi pas. Je peux pas aller plus haut? Apparemment non. Bon.
va mettre quelques cubes alors. Hop. Hop. Voilà. Crac. Oh. D'accord. Je ne l'avais pas. Ok. Bizarre. Ok. Ok, ok, why not. Bon, maintenant, le tout, ça va être de redescendre sans prendre trop de dégâts. Ce qui me donne des idées. Hop. Ok, bon, c'est bon. Cependant, il n'y a pas un seul qui va accepter de me donner une quête. Comme ça, c'est dit. Hooray! Merci de me dire, me souhaiter la bienvenue dans le village. Waouh, c'est quoi ce truc? D'accord, ce serait Cluex. D'accord, bon, pourquoi pas. Ça m'intéresse. Ah, une quête. Oh, puis là, il est stylé. Non, j'ai besoin que tu fasses une bonne impression. Oh là 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 là. Non, c'est naze comme quête. Excuse-moi l'ami, mais c'est naze comme quête. Non, non, je veux pas la faire. Enfin... Veux-tu bien... Oui, sors. Hello? Sors? Sors. Merde. On reviendra plus tard. Ah, c'est la fin du village. Non, il y avait qu'une, quête. Parce que si c'est le cas, je récupère mon... Il n'y avait qu'une quête et très très peu de coffres. Donc si c'est le cas, moi je récupère mon téléporteur. Hop, j'annonce. Hop. S'il faut que je le récupère, je... Ah, un garde, j'en ai déjà un garde. Il fait même pas garde en plus. On va voir. Peut-être trouver quelqu'un d'autre. Hop, puis t'en auras plus qu'à tomber sur un humain et puis ce sera bon. Cette porte qui se ferme juste devant ma gueule. Ça je l'ai déjà ouvert. Alors là je sais pas du tout si je dois laisser ou pas mon... Oh. J'ai pas envie de reprendre un garde. J'ai pas envie de reprendre un garde. On va faire le tour de la planète, on va laisser le drapeau. Et dans le pire des cas, bah, je reviendrai le prendre et puis on partira. Hop, voilà comment on va faire. Bon. Hop, un instant, crac. Eh ben dis donc, les pompiers, ça y va aujourd'hui. Ça doit être la quatrième fois que je les entends, donc... C'est pas la forme. Je sais bien que c'est la rentrée et que personne n'a envie d'y aller, mais quand même, faut pas se tuer sur la route pour autant. On va quand même essayer le garde, on verra bien, se trouve, il sera utile. Iron Ore. Bah écoute, je vais te chercher ça. Ouais, du coup, tu ferais peut-être quelques torches, toi, non? Non, Marcus, réfléchis un peu. Qu'est-ce que j'ai fait de mes torches? Elles sont là, voilà. Ok. Ok, un petit peu de fer, il a demandé. J'ai pas en trouvé. Hop. Hop, voilà, c'est fait. Et j'en trouve pas. Du fer et j'en trouve pas. Oula. Là, il y a une sale bête. Qui, à ma foi, a disparu, du coup, j'en profite. Hein.
Hop. Non, ça c'est pas dû faire. Bizarre. Alors, un petit peu de fer. Et le fer à 10 sous, c'est pas cher. Ok. Commencez à me poser des questions, moi. Hein. Eh ben non. Vache, cassez-vous, vous me saoulez, cassez-vous, vous me saoulez. Hop, j'ai eu peur. Pas vous mentir, j'ai eu très très peur. Hop, je vais devoir mourir là-dessous, ça aurait été catastrophique. Il n'y a pas une goutte de fer. Hein. Ah merde, j'ai pas vu. Dégage. Dégage. Voilà, merci. Il fait trop mal, ce mec. Est-ce qu'il y a du fer non seulement sur cette planète? Enfin, seulement sur cette planète, pardon. Hop. Ça répond vraiment pas à la question, hein. C'est pas bon signe. Beaucoup de charbon. Beaucoup de copper. Ah. Qu'est-ce qui se passe? Ah, petit lag. Lag in game. Sur un jeu qui n'est pas en ligne, hein, je précise. Ça ne veut plus. Ça ne veut plus. Ok, ça y est. Ouh. Ça aurait été compliqué, hein. Alors je reprécise, je n'ai aucun mode, donc j'ai aucune raison d'avoir ce genre de lag. Normalement. On sait bien entre du titane à poison, mais c'est pas ce que je cherche là pour le coup. Et du fer, ce serait possible ou pas? Putain, c'est le seul métal que je n'ai pas sur moi. Bon, alors je peux me faire combien de torches? Plein. On va le laisser faire quelques torches. Hop, c'est bon. Pardon, j'ai une centaine de torches donc du coup sur moi. Ce qui est une assez bonne nouvelle normalement. On ne devrait pas se trouver dans le noir. Mais bon, alors. Dis-moi que je vais trouver du fer quelque part. Parce que là c'est pas que je commence à avoir peur mais... Jump augment. D'accord, ça c'est intéressant. Ouais non là je commence à effectivement avoir des doutes sur le fait que je vais en trouver. Hein. Soyons honnêtes, là je doute. Raté! Boum! Attendez pas à ce que je le one shot mais bon. Mais regardez ça, il n'y a pas une goutte de fer! Il y a du cuir! Cuivre pardon! Du titane! Du charbon, le tout en grande quantité en plus, hein, donc pas vraiment de quoi me plaindre. Aïe, j'ai pas été assez rapide. Voilà, mais il n'y a pas de fer. Aïe. Dégage. Hop, merci.
Hop, il n'y a pas une seule goutte de fer. C'est chaud. Ou alors je suis sur une planète sans fer. Donc est-ce que c'est un enfer? Moi, blague-moi-y, blague-moi-y, blague-moi-y. Eh ben non, pas le moindre. Pas la moindre petite goutte de fer. C'est d'une violence. Peu commune. Fais-moi passer. Des kunai, d'accord. Ok. Why not? Et ici, de nanovrap bandage. D'accord. Mais toujours rien qui ne fasse office de... Bon, on va passer comme ça, c'est pas grave. Et on va remonter comme ça. Ah, j'ai besoin de bouffe. J'ai besoin de manger. Il est l'heure de manger. Ça se mange? Bah alors pourquoi t'es là? Bizarre. Les steaks comme ça, c'est pas la... C'est pas sympa à boire, à bouffer, pardon. Hop. Ça c'est une graine, donc c'est un peu la merde. Il faut qu'on remonte rapidement. Mais casse-toi, tu sers à rien. Casse-toi. Mais merde. Ouf, putain. Ça se joue à rien, hein. Regardez l'autre là qui est arrivé là juste pour me faire bien. Oui, vous avez compris. D'ailleurs, vous savez quoi, on va gaspiller un anneau wrap. Hop, voilà. Casse-toi. Casse-toi, j'arrive. Bon, ton fer. Tu sais où est-ce que tu peux te le carrer, hein, je pense. Si jamais on voit qu'il n'y a pas de fer sur cette planète et que j'en ai quand même cherché, ça va pas le faire. Pas le faire, blague. Écoutez, non, c'est bon, j'en ai. J'en ai du fer. Première planète, Villavian, village Avian. J'ai dû mettre Villavian. Ouais, on va mettre ça comme ça. Pensez à récupérer de la bouffe. Oh! Oh, t'étais tellement plus stylé, toi. Je ne sais pas, je ne sais pas. Et je reste planté là. Toi t'étais moche en vert par contre. Là d'un seul coup il y en a plein qui veulent me donner des quêtes quoi. Truc de fou. Et donc mon ami il est où? Alors lui aussi il veut m'en donner maintenant. Oh. Je veux bien qu'elle vienne, elle. Elle a une super chevelure, j'espère que ça se verra encore quand on aura le... Ah! Je craque! Bon, on y va. Cependant, il va me falloir de la bouffe, hein. Je veux pas dire, mais... Il va me falloir de la bouffe. Xipak Friends. Bon, du coup, faut qu'on remonte. Attendez, on va remonter sur le vaisseau. On récupère de la bouffe, déjà. Bon. Ça, c'est déjà pas mal. Hop, putain, niveau bouffe on va en chier. Je veux pas dire mais niveau bouffe on va en chier. Ok. Faudra que je récupère une canette de bouffe. Ok. Vous savez quoi chers amis, du coup on va se laisser là pour cet épisode je pense. Et on va se préparer pour la visite du donjon Avian. Bah écoutez, pour le prochain épisode en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour vos aventures, salut les gens. Et yop.